pour YouTube. N'oublie pas de sub à la chaîne. Ah non, merde, ça marche pas avec YouTube. Ah, n'oublie pas de mettre un commentaire. Et ouais. Vous avez vu maintenant, j'ai des vignettes sur mes vidéos. C'est trop chouette. Aujourd'hui, on est sur Luminosity. Ce week-end, c'était Halloween. Tout le monde joue à des jeux qui font peur, là. Avec des monstres, et puis des trucs, et puis c'est glauque, et puis c'est noir. Et moi, je me suis dit, eh ben, je vais tous les niquer. J'ai une Golf, c'est une voiture. Et on va niquer dedans. Non, pas les trucs sexistes. On a déjà eu notre dose avec le The Event ce week-end. Merci à eux. Et donc voilà, Luminosity, c'est un jeu tout mignon. C'est un petit point and click. Et vous allez voir, il a une particularité. D'ailleurs, on peut peut-être entrevoir là. D'ailleurs, je vais cliquer sur play. Peut-être, ça se trouve, on va voir. Ça se trouve, il y a une histoire. Hop. Merde, ça marche pas. Si, c'est bon, ça marche. Macro XLR marche. Profitez bien. Regardez déjà, c'est plein de couleurs, c'est trop mignon. La maison de grand-père. J'ai une histoire pour toi. Est-ce que vous voyez bien le pointer? Ouais, vous voyez le pointer. Salut Gebel! J'espère que tu vas bien. Donc on va enter. Hop là. Waouh! C'est tout en anglais par contre? Non. Non, disez-moi pas que tout est en anglais. Ah! Attendez, il n'y a pas une version française du jeu? Quoi? Attendez, je vais regarder. Je vais regarder si j'ai pas fait le con. Genre, je vais être obligé de tout vous traduire? Pourquoi t'aimes pas l'anglais? Non, mais moi ça va. Moi et l'anglais, on est ok. Je fais même des, je fais même des parties de Mario Galaxy en anglais, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est pour vous, les Béotiens. Ah, il est recommandé par IndieMag. IndieMag, voilà, site de qualité. N'hésitez pas à aller voir les avis sur IndieMag. Si jamais vous voulez avoir des... savoir si un jeu indé, il est bien. Et bah paf, IndieMag. Est-ce que je l'ai dit? IndieMag.fr. N'hésitez pas. Est-ce que je suis bilingue? Elle n'en venait qu'une. Désolé. Désolé. Ah non, langue non prise en charge. Eh ben non. Eh ben voilà. Eh ben ce sera tout en anglais. Paf, c'est bien fait pour vous. Fallait bosser à l'école. Ah, voilà. Alors maintenant, comme je disais. Hein? Il s'est passé quelque chose de terrible dans la ville. Je pense que je vais avoir besoin d'une petite tasse de thé avant que je te le dise. Et j'ai envie de te montrer quelque chose. Donne-moi un moment pour regarder dans mon étagère, celle avec les livres. Est-ce que tu serais assez mignonne pour descendre et aller me faire un petit thé? D'accord. Boum, 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 boum. Regardez comment c'est mignon. Regardez comme c'est mignon. Tu es polyglotte. Tu as plusieurs glottes. C'est pas gênant d'avoir plusieurs glottes. Est-ce que du coup le réflexe le gag réflexe est pas encore plus prononcé quand tu as plusieurs glottes? Interrogation de verbe irrégulier. To be beat beaten. Non, c'est pas ça. Donc du thé. Attendez, comment ça se joue? Je clique là? Oh oui! Oh, regardez, tout dessiné à la main. Regardez ça, comment c'est beau. Et je prends... Paf! Crash! Qu'est-ce que c'était? Ah non, qu'est-ce que c'était? Est-ce que quelqu'un est entré de... Non! Quoi? Regardez comment c'est beau. Virez vos mains de moi, de sur... Non, quoi? Vite, Lumi, rejoins-moi. Qu'est-ce que c'était? Oh. Ah là, il y a du... Attendez, je peux cliquer là? Regardez, je peux cliquer partout. Qu'est-ce que c'était? Grand-père est parti! Fini ton thé? Non?
Qu'est-ce que c'était? Vite! Je sais pas, je fais pas ce genre de truc. Il a fait tomber quelque chose. Le handyman wall. Hop, dans mon petit sac. Il faut cliquer sur le sac pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc là, j'ai le livre. Ça a l'air d'être utile. Ça a l'air, enfin, on a l'impression que ça peut être utile. Je regarderai plus tard. Mais non, ils viennent de me faire montrer. Ah non, mais non. Oh là là, mais regardez, c'est trop beau. Et là, est-ce que ça va être maintenant? Attention, attendez, regardez, je mets paf. Oh, ça court. Zbram! Donc, c'est ça la ville? On a l'impression que c'était vachement grand, quoi. J'ai besoin de trouver un moyen d'aller en haut. Je suppose que ces cordes sont attachées à cette... Non, quoi? Je sais pas. Bon, bref. Oh, regardez, ça bouge. Oh là là, les petites animations. Et donc voilà, alors là il y a un truc, alors je sais pas si on voit bien. Mais en fait, là, une des caractéristiques de ce jeu, c'est que les décors que vous allez voir, pas les personnages, mais alors les décors que vous allez voir en fait, tout existe vraiment. Ce ne sont pas des décors qui ont été créés à l'ordinateur. Le speedrun... Mais arrête, on s'en fout du speedrun! J'ai arrêté! Le speedrun c'était le week-end dernier. Là c'est bon, je speedrun plus les jeux, là je raconte doucement qu'est-ce que c'est. Et donc en fait tous les décors du jeu ont été créés à la main. Et en fait c'est des photos qui ont été prises et qui sont utilisées dans le jeu. Mais là vous voyez là les petits trucs derrière, les petits arbres derrière là. Et bah c'est des petits arbres en papier. Les petits escaliers ils ont été créés à la main et tout. Tout a été fait à la main, le jeu est ouf. Je suppose que c'est... Putain, mais par contre, ça reste pas assez longtemps. Il faudrait que ça reste plus longtemps. C'est-à-dire le temps que... Merde. Ah merde, j'ai fait une connerie. Ah merde, j'ai fait une connerie. Attendez. Plein écran, c'est bon. Je suppose que c'est le... Ah, j'ai un bâton. Regardez, maintenant, j'ai un bâton. Drag and drop. Je peux draguer. Je peux draguer les gens. Les escaliers ont l'air tout pourris et cassés maintenant. Peut-être que faudrait que j'essaie d'attirer l'attention sur moi. Comme une maquette, exact. C'est des maquettes. C'est des maquettes, voilà. C'est le mot que je cherchais, des maquettes. Bah, on va essayer de... Regardez, on va monter sur la caisse. Hop, accroche-toi. Ah mais oui, regardez après. Une fois que je suis accroché, petit bâton. Hein? Quoi? Ah oui, d'accord. Petit bâton sur la cloche. Coucou Johanna. Ah bah merde, j'ai perdu le bâton. Regardez ça les maquettes. Regardez, tout est... Oh là 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 là, mais regardez, c'est une maquette. Qui es-tu? Je suis Lumi. J'ai essayé de chercher mon grand-père, est-ce que tu l'as vu? Ton grand-père? Je sais pas, il ressemble à quoi? Vieux? Une grosse moustache? Tu veux dire l'homme de main? Non, je l'ai pas vu depuis des siècles. Et quoi? Hein? Merde! Ça va trop vite! Ma télé? Pas encore une coupure de courant. Chitio. Ils sont tout cassés. Cette traduction de qualité. Oui. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas... Mon cerveau, il a pas le temps de traduire. Et de lire. Et regardez, c'est une maquette. Vous voyez ça? Ça?
C'est pas de la 3D, c'est pas de la 2D. C'est une photo. C'est une fucking photo. Hein? Ah, attendez. Là, puis après on va là. Puis après on va là. Puis là, non. Ah non, c'est là le premier, regardez, c'est là. Puis là. Puis là. Puis là et là. J'aurais dû dire there. There, over there. Look. Regardez cette petite maquette, comment elle est trop choupie. Je t'en cours, je pense que tu pourras faire feu de tout bois en frappant le fer. Hein? Le jeu est en cours, je pense que tu pourrais faire feu de tout bois en frappant le fer. J'ai pas compris. C'est un cadenas en papier, un petit pipi dessus, c'est ouvert. Oui, non mais bon, voilà. Alors a priori, le courant est coupé. Pourquoi le courant, il est encore tout coupé? Hein? Il y a une recette. Encore plus de recettes avec des citrons. La marmelade de citron. N'oubliez pas. Traitez le citron avec respect. Et le citron vous traitera bien. Attention. Souvenez-vous. Gardez certains citrons. Pour d'autres recettes sublimes. Et oui. Lady Marmalade. Une fois ce jeu terminé, tu pourras terminer la soirée sur le dernier jeu ultra méga trop bien que je t'ai donné. Bon. non. La marmelade du citron, je n'aime pas. Le citron, c'est meilleur en curd. En curd? C'est quoi un curd? Curd pirate? Non. Et du citron dans une sauce au citron. Ah, par contre, regardez, le citron. On peut mettre un plus et un moins dedans, et bzzzt, ça conduit le courant. Est-ce que... je me rappelle que grand-père disait toujours qu'on ne pouvait jamais avoir trop de citron. Je m'en demande bien pourquoi. Regardez, ça passe à travers le toit, le citronnier là. C'est trop bien. J'aime ce jeu. Cœur de pirate, c'est mieux que Béatrice. pourquoi non? C'est un petit jeu mignon aussi. Non mais bah, je vais pas avoir terminé... J'aurais pas terminé ce jeu ce soir. Hein. Ah! Attendez, il y a le plus et moins. Donc faut que je mette... Plus, plus... Mais il y a trop de plus! Hop. Plus et moins. Là j'ai un plus et un moins là. C'est tout. Hein? Faut j'en mette d'autres? Warning, for use of citrus lemon only. Ah d'accord, donc c'est vraiment fait. Pour être utilisé. Ou alors faut que j'en mette partout. Faut qu'ils soient tous connectés. C'est ça que le jeu essaie de me dire. Le jeu essaie de me parler. Qu'est-ce que le jeu essaie de me dire? Voilà. Patatart a dit qu'il était ultra court, mais je pense qu'il parlait de lui-même en fait quand il a dit il est ultra court. Non? En moyenne, les gens mettent 5 heures pour le finir. T'as un dieu de la manette, tu peux le faire en 3 heures. Ça tombe bien parce que je joue avec la souris. non mais je suis allé sur Along to Beat hein, avant de lancer le stream pour savoir.
Attendez, je sais pas ce qu'il faut que je fais là. Je suis en train de mettre des citrons dans le truc, mais je sais même pas si c'est ça qu'il faut qu'on fait. Je pense que c'est un citronnier. En tout cas, ça sent comme un citronnier. Talk about the lemon tree. Ils ont l'air de pousser depuis la maison. Bon, est-ce que vous voulez que je raconte ce qui m'est arrivé avec Rabia du coup, ou pas? Est-ce que ça vous dit? Si vous voulez savoir ce qui s'est passé avec Rabia, un petit R comme Rabia et je vous raconte. Ah, bon, je suis obligé de régler mon problème là. Non, mais non, ne remonte pas, non, remonte pas. Un petit T comme Tony Hub. T comme Tony Hub. Hop, puis un R comme Rabia. Ah, je vais pouvoir vous expliquer alors. Alors vous savez que je suis rarement fier de Rabia, hein. Elle fait quand même beaucoup de... Elle est pas très douée comme chat quoi. Et là tout à l'heure elle était dehors. Alors faut savoir que... Non je vais pas raconter sinon vous allez savoir ce qui va se passer. Et là elle était dehors et je l'entendais miauler. Mais elle miaulait pas comme d'habitude. Rabia d'habitude, enfin voilà je reconnais son miaulement quand même. Et pas un veste, parce que c'est des citrons. Merci Twinsen. et donc Rabia miaulait pas comme d'habitude, je me demandais ce qui se passait. Et j'ouvre la porte, et en fait là je ne tombe pas sur Rabia, mais je tombe sur un autre chat. Et paf, elle ramène un billet de 100 balles, même pas. Dommage. Citron bon. Voilà. Ah ben je pense qu'il oui, faut que je les connecte tous en fait. Mais à chaque fois je peux en connecter que deux. C'est donc ça le deal. Et là je tombe pas sur Rabia en fait. Là il y avait un autre chat. Et le chat en fait c'est le chat que j'appelle Petit Connard. T'as un inventaire dans le jeu ou pas? Ouais il est là. Hop tu vois. Putain, le ND manuel. Quoi? Ah non, mais je vous traduis pas toutes les pages, moi. Hein. Ah, mais ils ont vraiment... Ils ont vraiment fait ça? Il y a vraiment... Quoi? Je continue mon histoire. Faites le gâteau, cachez le gâteau, révélez le gâteau. Ah d'accord. Et salut Yoran. Et donc je tombe sur Petit Connard. C'est un chat noir en fait qui a déjà foutu une branlée à Rabia. En fait c'est le chat d'un des voisins derrière et qui passe par les toits. En fait, une fois, c'était l'été, Rabia était tranquillement installée à la fenêtre, à rien demander chez moi, tout ça. Et je voyais quand même qu'elle insistait, qu'elle regardait dehors, qu'est-ce qui se passait. Et en fait, il y a Petit Connard qui était venu depuis les toits et qui a pécho Rabia au cou. Il l'a chopé, il l'a mordu derrière, au sang quand même, hein, parce qu'elle s'est mise à... Enfin, elle a saigné quand même. Hein, donc, vraiment, elle s'est pissée dessus d'ailleurs de peur. Et le chat était vraiment un connard. C'est donc souvent, il la mate depuis les toits. Et il a vraiment une tête de vénère. Et donc là, je sors pensant tomber sur Rabia qui faisait un miaulement bizarre. Et en fait, c'était pas Rabia qui faisait un miaulement bizarre. C'était Petit Connard, le chat noir. Ça rime, c'est merveilleux. C'était lui qui miaulait. Pas miaulement méchant, hein, c'était plutôt le miaulement... je suis une flippette. Et en fait, quand j'ai ouvert la porte, alors je sais pas si Rabia a trouvé le courage en disant « Regarde papa !» regarde papa, je t'aime, je suis forte. Et elle s'est mise à courir après le Petit Connard. Et elle lui a foutu une branlée. je suis allé la chercher. Je suis allé la chercher et je lui ai dit non, arrête. Voilà pour... Mais en fait, c'est elle qui lui courait après. C'est lui qui était flippé. Et je l'ai rentré. Et voilà, et donc j'ai fait plein de caresses à Rabia. Tout fier d'elle. En disant, bah voilà, il t'a peut-être mis une trempe une fois,
Mais là, tu t'es bien vengé. Et en fait, lui, il s'est barré en courant. Il a pas demandé son reste. Hein, et il a filé comme une balle. Et voilà. Donc, je suis fier de Rabia. Elle a dépassé sa peur. Regardez. Fallait que je clique. Alors, plus c'est moins à gauche, là. Attends, remets-moi le truc. C'est... Quoi ? Non, remets-moi le truc, s'il te plaît. Ah, mais attendez. Oh là là, on voit encore. Oh là là, mais quel génie. Ah, mais là, j'ai déjà un citron, en fait, c'est ça le problème. Attendez, faut que je revienne. Non, vas-y, referme. Reviens. Non, mais j'ai déjà mis un citron derrière, en fait. Donc là, tu vois, je peux pas... Ah, non, c'est bon. Je peux en remettre un. Donc j'ignore les combats. Bah merci, j'avais compris. Je suis pas si con. Ensuite, nous avons là. Tac. Ensuite. Plus et moins là. Ensuite. Plus et moins là. Ensuite, plus et moins ici. Ensuite, le dernier là. Quoi ? Ça avait juste besoin... Attends, le mec, ça avait juste besoin d'une bonne tape. Bon, bah voilà, j'ai pas lu. Ça reste... Putain, mais... Non, mais arrêtez ! Mais comment on contrôle ça ? Ça va trop vite. Je suis en train de perdre tout le lore. C'est super rouillé. On dirait que ça n'a pas été bougé depuis des années. Il va falloir que je trouve un moyen de passer par-dessus. C'est pas citron. On se tient au jus. Oh là là, mais... Oh là là. Ça y est. Oh, mais regardez comment c'est beau. C'est une maquette. Vous vous rendez compte? C'est pas un truc. Allô? Allô? Il s'en fout. Il s'en fout. Oh là là, j'ai trouvé. Regardez. Donc voilà, donc c'est pour vous dire, je suis fier de Rabia. Rabia a mis une branlée à un autre petit chat. Alors que j'ai toujours pensé que Rabia était une grosse flippette qui se foutait de tout. Et qui à chaque fois ne voulait pas... Regardez ça. Je vais lui arracher son antenne. Parce qu'il veut pas m'écouter. Ah non. Ah non, en fait, je vais m'en servir comme... Oh là là. Ah. Voilà, c'est c'est presque définitivement une bonne idée. Hop, j'ai pas lu. Et là, peut-être que je vais vous étonner. Mais vous savez quoi? Aou. Ati. Maou. C'est Rabia. Non, Aou. Qu'est-ce que c'est? Oh, bonjour. Quoi? Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Il y a une nana sur le carrousel. Ouais, quoi? Est-ce que tu peux atteindre le chat? Je peux essayer. C'est ça. Chasse-le, cours-lui après. Bon bah voilà, c'était une manière de descendre. J'ai coupé citron d'arbre aujourd'hui. Est-ce que tu sais que si près, 666 près. Est-ce que ça tu étais courant? Est-ce que tu le sais? Parce que maintenant tu le sais hein. Je répète hein. 666 près, 666 près.
Véridique, ça veut dire quelque chose. Ah! C'était des Troen? Bah ouais, parce que c'est Troen! Putain, vous avez mangé du clown ce soir, tous là ou... Parce que d'habitude, les blagues comme ça, c'est moi qui les fais en fait. Et j'ai l'impression que là, ce soir, c'est vous. Oh, je suis content parce que voilà, j'ai pas fait un jeu qui fait peur et vous êtes là, vous êtes présent. Et ça me fait extrêmement plaisir. Oui. Voilà, de quoi en parler? Cours après le petit chat. Il y avait avec l'ancien maire. Elle va être trop contente de le retrouver. Tu as trouvé mon petit darling, merci. J'avais tellement peur pour la pauvre chose. Et maintenant, il n'y a plus de courant. Ma pauvre ville. Non, je l'ai remis le courant. Oh, regardez, il y a plein de matous. Que vous êtes drôle. Quelle belle soirée, t'as fait une faute. C'est Q-E-2-L-E. Quelle. C'est belle, après. C'est féminin. Alors du coup, on met tout féminin. Petit chat. Est-ce qu'on peut pète les chats? C'est un... Gigit. Gigit, t'es où? On parle de toi. Gigit. Allô, Gigit. Dites donc, c'est un sacré nombre de chats. Pourquoi est-ce que vous avez des drapeaux dans votre chambre? C'est ça venait de là où je travaillais. Après j'ai tout ramené, tout mon passé. Et vous avez gardé les drapeaux? Ouais, ça me donne un truc cérémonial quoi. Ouais, d'accord. Bah, j'arrive pas à lire. Est-ce que quelqu'un peut aller sur le sur le forum de Luminosity et chercher how to ralenti the dialogue in Luminosity because the streamer is too bad and he can't translate sur la mouche on the fly, c'est ça. Au moins, voilà, elle est entourée de choses qu'elle aime. Ah, c'est pas un chat, hein. Je vois que tu es intéressé par mes photographies. Hein? Ouf, ouais, voilà. Ah, merde. Oh, merde. Bon, votre ville? Mais oui, je suis la mairesse. Je l'ai jamais acheté, quoi. Non, mais voilà, j'en prends vraiment soin. J'étais la mairesse. Je suis toujours la mairesse, je pense. Ah, encore des petits chats. Waouh. Ah, ça commence, ça y est. Ah, j'ai toujours un citron. C'est parfait. Et donc, numéro 1. Ah, il y a deux numéros 1. Holy shit, yo. Non. Ding. Non. Non, rien n'a changé. Zbrem. Ah bah non, regardez. Ah bah ouais, faut que je parte de l'autre côté en fait. Bah oui, si je pars de l'autre côté, c'est parfait. Bon, il tourne comme ça. Donc là, ça va le... Non, ça ne sert à rien. Donc il faut prendre le numéro 4. Ah non, ce qui tourne dans le même sens. Pas bien.
Pas bien. Attendez, numéro 4, voilà. Numéro 4 qui va dans l'autre sens. Nice. Donc ça l'accélère. Quoi? Ah, vas-y. Numéro 4 qui accélère. Numéro 2. Regardez. La puissance augmente. Faut que je prenne quelque chose, voilà. Hein, quoi? Non, vas-y. Mais quoi? Ah non, trop gros, d'accord. Là, non. Attendez, il y a le numéro 6, là. Non, marche pas, ça passe pas. Numéro 6, je le vois bien là, lui. Pas du tout. Numéro 1? Non plus. Numéro 2? Non, merde, je le ralentis. Attendez, il tourne comme ça, lui il tourne comme ça. Mais il est trop petit. Il y a le numéro 4, ça tombe bien. Mais ils sont pas reliés là. Voilà. C'est bien, non? Ah non, faut que je les fasse tout retomber quoi. Ok. Non, tombe. Alors, attendez. Parce que là, de toute façon, le numéro 6, il passe pas. Hein. On est d'accord? Non, le numéro 6, il passe pas. Les autres, ils passent pas. Là, c'est forcément numéro 5. De toute façon, ici, c'est numéro 5 ou c'est rien. Ici, on peut pas. Et si je mets un numéro 4 là, c'est pareil, ça ne passe pas. Donc, c'est forcément numéro 4 ici. Qui tourne dans le sens inverse. Voilà. Jusque là, on a bon, c'est sûr. Ici. Est-ce qu'on peut pas mettre un numéro 3? Non. Donc c'est un numéro 2 qui va là. Mais, si j'étais moins con, je mettrais un numéro 2 dans le sens inverse. Pour faire tourner plus vite. Ici, est-ce que numéro 6 passe? Oh là là, regardez ce boost. Ce boost de vitesse. Est-ce que numéro 1 là? Ouais. Est-ce que numéro 4 ici? Oh là 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 là, ça se passe trop bien. Numéro 2 là, oui. Numéro 1 ici, numéro 3 là. Zbram! Ah, vous avez raison. Tu as compté le nombre dedans, le module, ça? Non. Voilà, c'est satisfaisant de voir que tout rebouge comme ça. Ça, hein. Voilà. Que tout rebouge de manière si fluide. Est-ce qu'elle va être contente? J'ai remis les engrenages. Bien wesh. Qu'est-ce que... Hein, pourquoi tu as voulu faire ça? Je pense qu'elle a oublié qui je suis. Ah. La vieille, elle a l'Alzheimer. Elle a des petits chats, c'est trop bien. Qu'est-ce donc? Hein? Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! Non, alors attendez. Faut que je fasse bouger le grand. Là, on est bien. La pointe rose avec les deux pointes bleues. Le rose de l'autre côté avec le point, le vert. Ça, on est bien. Nice done me. Ensuite, il faut que j'ai, hop, le rouge Zinci, si je ne me trompe. Eh bien, je m'ai trompé.
Hop. Là, bleu, tac, plaf, bleu, orange, pouette, machin, truc. Nickel. Bravo, moi. Et ensuite, le vert. Attendez. Le vert... Bah, c'était bien, en fait. Quoi ? Quoi ? Pourquoi il tourne ? Rappelez-vous que c'est des maquettes. Hein. Si vous dites, ouais, le jeu est beau, c'est une maquette. Hein. C'est une grande maquette. Le jeu est exceptionnel. Ah, c'est ça ? Je suis bien. Quel génie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein, mais... l'horloge s'est arrêtée. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Oh, vous allez avoir tellement marre de moi ce soir. Ok, donc ça c'est fait. Ah, c'était pour monter là ? Ah, mais j'avais pas fait attention. La maquette est très très belle, hein, mais j'avais pas fait attention qu'il y avait plusieurs niveaux. Mais regardez comment c'est beau ce jeu. Franchement. Ding dong. C'est un appareil photo. Je viens juste de faire gaffe que c'était un appareil photo. Ah, mais belle, belle photographie. Quelqu'un a dévalisé l'endroit. Voilà. J'ai pas eu le temps. Bonjour, j'ai pas eu le temps de lire. Attendez, je vais aller lui parler. Est-ce que ça va ? Ça allait, jusqu'à ce que je revienne dans ce bordel. Voilà, j'ai été défoncé par des riflers, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il manque quelque chose ? Je sais pas encore, j'essaie de tout trier. Mais je te dis, si je chope celui qui a fait ça, tous ceux qui sont venus récemment... Bah oui. Il va falloir développer les photos. Mais avant, mon art. Je supporte pas le désordre. J'espère que tu m'en veux pas, mais faut que je range tout ça. Ah oui, en fait, les gens qui rentrent dans la maison, ils sont pris en photo, vu que c'est une maison photo. Une maison... appareil photo. Je peux pas monter tant qu'il est là. Bien, descends donc alors. Et donc là, il va falloir que je... J'imprime les... Enfin, que j'imprime. Quoi ? Attendez. On a l'impression que les étiquettes sont tombées. D'abord, il va falloir que je rate... Oh là là. Ah ! Ah. Quoi ? Ah, faire du puzzle. Vite, Yoran, par le pouvoir de Yoran. Aide-moi à faire le puzzle. Toi, grande prêtresse du puzzle. Attendez, là c'est trop grand. Là trop grand, là trop grand. Quoi ? Ah non, non.
passe pas. Ça passe pas non plus. Ça passe pas non... Ça passe nulle part. Je peux y retourner ou pas? Non. Ça va être quelque chose. Ben non, ça passe pas non plus là. Attendez, c'est ça? Ah oui, regardez! J'ai un début de quelque chose! Non! J'ai un début de quelque chose, je suis pas si con! Regardez, voilà! Oh, quel génie! Bam! Et 2-1. Ça. Et de bam, et de 2. Non. Bravo, tu vas pouvoir tenter le 12 pièces maintenant. Enfin, est-ce que tu serais pas en train de te foutre de ma gueule? Est-ce que tu ne serais pas présentement en train de te moquer du streamer? Ça le fait, ça, hein? Non, c'est dans... Non, ça va, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt ok, non? Oh, regardez, là, je l'ai, là. Voilà. Là, là. Nice! Ça a l'air d'être bien. Oh là là, regardez. T'as vu le puzzle? Le puzzle, il était pas bien, en fait. Parce qu'il y a des étiquettes, ça, c'est bon, mais ils changent les couleurs. C'est des petits malins. Chez les petits malins. Un ours aimable. Ah, faut que je mette des trucs dedans. Du blanc, du... Quoi? Attendez, est-ce que j'ai cru voir un rominé? Non? Je me souviens de... Ah! Seulement si toutes les lumières sont rouges. Et là, clairement, toutes les lumières sont pas rouges. Donc, il va probablement falloir que je fasse quelque chose à ce niveau-là. Ah, là, c'est rouge. Ah, je peux en verrouiller une. Ouais. Ah. Ok. 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 Yes! Donc là, ça va pas faire mal, de mal. À la photo. Ouais. Pourquoi? Mais hein? Est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce que seulement ça fait quelque chose quand je fais ça? Ah bah oui, regardez, j'ai du papier.
Ah mais non, regardez. C'est ça qu'il faut que je mette. Ça. Celui-là et puis celui avec un truc noir. Parfait. Regardez. Splof. Eh, c'est Wham. Splouf. Bah c'est le gérant. Voilà, c'est le photographeur. Et attention, la prochaine. Ça doit être le coupable. Mais c'est grand-père. Mais comment c'est possible? Nah. Il a pu. On a pu. Attendez, je vais lui dire que c'est mon grand-père le coupable. Regardez. Je suis pas sûr que je devrais être en train de faire ça, mais quoi? Mais regardez ça, c'est le Handyman. Quoi? C'est lui? C'est lui qui a fait ça? Je le savais. Quoi? Il avait ça en lui depuis des années, quoi? Est-ce que vous avez joué à Fallout? Et voilà, il a de la chance si sa prochaine photo, c'est pas lui un mugshot en prison. Putain, mais ça va trop vite. Ça va trop vite. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ah non. Je continue à parler à lui. Faudrait mieux que je fasse... je trouve grand-père. Pourquoi une... Coucou. La caméra m'a pas reconnu. Peut-être qu'elle reconnaîtra quelqu'un d'autre. Ah! Et donc la photo s'est envolée. À cause du flash de l'appareil photo. Mais regardez ça, c'est une putain de maquette! Comment c'est beau! C'est des fous les créateurs du jeu, c'est des fous. Bonjour! Quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui faisiez ce bruit? Du bruit? J'étais en train d'essayer de... Ah! Ça se passe mal! J'avais un ouvreur, un ouvreur boîte électrique, mais il est mort, enfin il ne marche pas. Donc voilà, elle a demandé si c'était lui qui faisait bruit, il disait quel bruit. Moi j'ai essayé juste d'ouvrir mon dîner dans une conserve et j'utilisais un marteau, un martal. Mais comme tout le jus a pété... Coucou! Bonjour! Oh, y a quelqu'un, je pouvais pas t'entendre avec tout ce bruit en dessous. Celui, il me rend dingue. Parce que c'est ça qu'on appelle de la musique. Je suis pas sûr que ce soit de la musique. T'as raison, c'en est pas. Voilà, c'est horrible. Je suis là avec mes boules qui est-ce. Attendez. Il y avait un gros bouton là. I have don't appuyé on the gros bouton. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Désolé de vous interrompre, mais je cherche mon grand-père. Et je me demandais si. Je t'arrête là. Je suis vraiment pas d'humeur.
J'ai pas envie de parler. Je vais retourner, m'asseoir dans le noir. Je m'en fous que les lumières soient éteintes. C'est vachement mieux pour ruminer. En fait, il y a des parts de pizza là sur les sur les endroits qu'on peut toucher. Bon, je crois que c'est pas vraiment des parts de pizza, hein, mais. Attends, reviens. Oh là là, mais regardez ces décors. Ces décors. Là. Parle à l'autre. Parle là. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour. Je suis tellement occupé. Si t'as quelque chose à me dire, voilà. Sauf si t'as quelque chose d'intéressant à me dire, je me barre. Des gens bof quand même. Un ouvrier, désolé madame. Il faut que tu recules. Il n'y a plus de jus. Mais on doit fermer le truc avant qu'il pleuve. On sait pas ce qui va se passer si ça arrive. Et je peux pas te laisser passer au-dessus de ce trou béant. Moi je veux passer moi. Saute! Voilà, ce truc doit peser une tonne. C'est bizarre que ça s'écroule pas. C'est grâce à la demi-bulle. Il y a une demi-bulle, c'est ok. Mais ouvre ton sac! Pas ouvrir son sac. Comment je vais jusqu'à... Ah oui, je peux y aller, regardez. Ok. Ah non, c'est la cloche. Il faut que je mette la cloche sur le truc. Alors... Alors les commandes sont pas très très compréhensibles. Ça a besoin de plus de power. Besoin de jus. Bon, je crois que j'ai fait descendre le truc là. J'ai fait descendre ça. On dirait que ça va demander plus que mon poids pour démarrer le moteur. Bah, je vais demander au monsieur. Regardez, le monsieur a l'air d'avoir un peu d'embonpoint. Il sert à quoi le trou? C'est un puits de lumière. Pour les gens qui vivent dans le talus. Il y a des gens qui habitent là-bas? Bah ouais. C'est le design du handyman. Je sais, je comprends. Ouais, d'accord. Maintenant, faut que j'empêche quiconque de tomber dans le trou. Est-ce que tu as vu le handyman? Je l'ai jamais rencontré. Moi, je travaille juste chez Crane. Désolé. Non mais non mais citron. Est-ce qu'il faut que je viens m'aider?
Merde. Faut que je trouve un truc pour faire du poids. Ah, j'ai besoin de démarrer le moteur. Donc, je vais demander aux gens si, s'ils peuvent m'aider. Ok, elle veut pas sortir parce que de toute façon ça fait trop de bruit. Lui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux m'aider à démarrer le machin? Il faut qu'il trie. Faut qu'il s'occupe de ses pâtisseries. Ah! Oui! Va falloir que je l'aide. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Date particulars? Quoi? C'est fait. Ah non, d'accord, attendez. Où je trouve quoi? C'est par ligne, c'est par colonne, c'est par quoi? Attendez, j'ai un vert et un vert. Là, on est bon. J'ai un bleu et un bleu. J'ai un noir et un noir. Là. Putain, c'est impossible leur truc là. Donc là, il me reste un bleu et un vert. Là, rouge et rouge, c'est ok. Jaune et jaune, c'est ok. Orange et orange, c'est ok. Donc il me reste un rouge et un jaune. Bleu et bleu, c'est ok. Orange et orange, c'est ok. Vert et vert, c'est ok. Il me reste un bleu et un noir. Attendez, faut que je note. Attendez, je note. Je note. Alors, il me reste un bleu et un vert dans la première. J'ai dit un rouge et un jaune dans la deuxième. Un bleu et un noir dans la troisième. Jaune et jaune, c'est ok. Noir et noir, c'est ok. Rouge et rouge, c'est ok. Orange et jaune. Orange et jaune. J'espère que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Sinon, j'ai l'air d'un con. Orange et jaune. Alors, noir et noir, c'est bon. Vert et vert, c'est bon. Bleu et bleu, c'est bon. Noir. Non. Il me reste noir et vert. Noir et vert. Orange et orange, c'est ok. Rouge et rouge, c'est ok. Jaune et jaune, c'est ok. Attendez, orange, oui. Rouge, jaune. Donc il me reste orange et rouge. Orange et rouge. Vert et vert, c'est ok. Bleu et bleu, c'est ok. Orange et orange, c'est ok. Il me reste vert et bleu. Vert et bleu. Et là, rouge et rouge, c'est ok. Jaune et jaune, c'est ok. Noir et noir, c'est ok. Il me reste rouge et jaune. Rouge et jaune. Et donc, ensuite je barre. Là j'ai un bleu, là j'ai un bleu. Là j'ai un vert. Là j'ai un vert. Là j'ai un rouge, là j'ai un rouge. Là j'ai un orange, là j'ai un orange. Là j'ai un jaune, là j'ai un jaune. Là j'ai un noir, là j'ai un noir. Et il me reste jaune, bleu, vert, rouge. J'ai pas compris ce qu'il fait. J'ai pas compris. Je crois que j'ai pas compris. Quoi? J'ai pas... Hein, quoi? Quoi? Oh, je sais pas. Hein. Ou alors c'est...
Dans des verres, regardez. Ah. Pas bleu. Je vais tous les faire, hein. Jaune. Non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas lu. Attendez. Ah, c'est, ça m'a kéblo quoi. Repars là machin. Ça marche plus, j'ai l'air d'un con. Merde. Une discussion déprimante sur les salaires. Comment ça? Attendez, je remonte. Je redescends. Ah, regardez. Regardez, il est reparti, je peux y retourner. Et là, je vais lire. Promis, je vais lire. Can you spell... Ah, lesquels ne sont pas à leur place. Et je sais pas, moi. Dans des ba... Ah si, regardez, il y a deux traits, la balance. Non, il y a deux traits aussi, si ça sert à rien. On est en diagonale, regardez, vert, jaune, vert, jaune, vert, jaune, vert, jaune. Bleu, orange, bleu, orange, bleu, orange, bleu, orange. Noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge. Vert, jaune, vert, jaune, vert. Bleu, orange, bleu, ah. Et il y a forcément un truc, hein. Oh, regardez lui. Et pourtant, là, dans la diagonale, là, regardez, c'est... Lesquels sont pas à leur place? Attendez. Vert, rouge, bleu, jaune, noir, orange, vert, rouge. Bleu, jaune, orange, noir, vert, rouge. L'amoureux constate que son salaire actuel est 30% en dessous de la moyenne nationale pour un poste similaire. Je posais lui dire qu'ils avaient dû le prendre pour une femme à l'embauche. Je devrais pas rire. C'est des répétitions par colonne. Hein? On est vert, bleu, noir. Vert, bleu, noir. Vert, bleu. Rouge, jaune, orange. Rouge, jaune, orange. Rouge, jaune. Bleu, orange, vert. Bleu, A. A. J'ai gagné... Ah! J'ai gagné un cupcake. Et donc, vu que j'ai gagné un cupcake, je vais pouvoir donner à manger à lui. Évidemment. Pardon, j'ai fait un rototo. Ça n'a pas marché. Mais... bonjour. Ça va? Est-ce que tu peux m'aider à démarrer la grue? Voilà, c'est, il me faudrait quelque chose pour finir le travail. Je vais voir si quelqu'un peut aider. Ah.
peut-être que le cupcake, je vais l'offrir au monsieur. Parce que le cupcake, enfin le monsieur, il est triste. Coucou. Quoi? Est-ce que vous pourriez venir tout là-haut pour m'aider? Voilà, je suis vraiment pas... je veux pas. Alors, attendez, help... Non. I slept 100 times, risk my life... oui. Il a failli mourir en construisant tout ça. Je faisais des jobs un peu bizarres. Maintenant, pas un mot. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Tiens, regarde. Spram. Le truc, c'est le pâtissier qui l'a fait. Est-ce que ça va mieux? Bon, maintenant. C'est vrai que c'était bon, ça. C'était du pâtissier? Eh bien, d'accord, je viens. Ah, regardez. Il est apparu. Ils attendent pour aider avec la grue. Mais vous vous rendez compte qu'ils ont fait... Ou ça se répète? Il y a des trucs qui ont l'air de se répéter. Yeah. Il y a le truc en fait du tout début où ils expliquent comment décoller finalement. Ah. Ah mais regardez, il y avait la Solus. Ah mais en fait il y a la solution, en fait ce bouquin c'est la solution en fait. C'est si jamais vous êtes coincé, vous pouvez regarder dans les pages du manuel, il y a tout. Ah, donc elle lui demande si elle peut lui prêter un ouvre-boîte. Et elle dit qu'à chaque fois qu'elle lui prête quelque chose, de toute façon, elle ne le revoit pas. Donc si elle veut lui reprêter un truc, il faut que faut qu'il rende quelque chose. Voilà, elle veut la parole qu'il va le... Voilà, donc il dit qu'effectivement, c'est le problème ici, c'est que quelqu'un a un truc qui tombe, on peut pas le récupérer, quoi. Voilà, il lui a déjà dit pardon. Il promet que cette fois-ci, il va rendre le truc. Ouais, voilà, elle dit ok, ok, elle va lui prêter que c'est peut-être une connerie, mais que de toute façon le seul truc qu'elle a envie, c'est que il arrête de faire son bordel, quoi. Essayer d'ouvrir une conserve avec un marteau. Évidemment, ça ne marche pas. Hein. Putain. Ah oui, salut. Eh, c'est Magnum. Ah oui, d'accord. J'ai pas. Oui. C'est Magnum le mec, n'empêche, non? Regardez!
Regardez la moustache. Ah bah non, non, il a que la moustache, Magnum. Il a pas... il a pas le... La Lemmy. Vous savez, ça s'appelle une Lemmy. Regardez, ils sont tous là-bas. Ah donc faut, oui ok, faut que moi j'aille dans le bordel. Pendant que eux ils démarrent le moteur. Bram! Ce bon vieux moteur là. Allez-y les gars! Non ils veulent pas? Ah oui d'accord. Non, fallait que je fasse ça en fait. Quoi? Mais pourquoi? J'ai pas compris comment ça marchait. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Il va falloir que je trouve... Ah, ok. Ok. Après, faut que je recule. Ouais, c'est ça. Là, je suis au bon endroit. Alors que je recule. Que je descende en avançant. Que je recule. Et que je descende en avançant. Que je recule. Et que je descende en avançant. Ok. Ça y est, j'ai. Bon, c'est peut-être pas le plus rapide que j'ai fait, mais au moins ça fonctionne quoi. Je recule, je descends en avançant. Je recule, je descends en avançant. Je recule, je descends en avançant. Zbrap! C'est bon! Ok. Lui, il va se faire un petit roupillon quoi. Super quoi. Il est trop beau le jeu. Ah non mais il roupille quoi, pour de vrai. Sauter ? Ah sauter. Ça va mon char ? Oh là là, quel... Quel chat combatif. Et bah du coup, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause. Ça peut être... parce que j'ai soif. J'ai soif et j'ai envie un peu de faire pipi. Donc petite pause et on se retrouve dans 2 minutes sur le stream. YouTube, ça sera un peu plus tard pour vous. Et des bisous YouTube d'ailleurs. À la prochaine.